Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de nous occuper du sujet du jour, j'aimerais remercier l'ami Jean-Paul qui m'a envoyé ça. Un super sac qui était sur ma liste Amazon. C'est un peu mon cadeau de rentrée. Merci à Jean-Paul. Aujourd'hui, on va parler de vidéos, de sous-titres et de sourds et de malentendants. Il y a de ça quelques jours, en fait, dimanche, je suis allé aider l'ami Lofty à déménager sa découpeuse laser chez lui. Il y avait plein de gens, c'était super sympa. On a fait un petit peu de sport. Et j'ai pu rencontrer... Alors, je suis désolé, je suis nul avec les prénoms. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui était sourd ou malentendant. Et on a discuté. J'ai discuté avec lui et avec sa copine. Bien sûr, je lui ai fait le pitch en disant « Oui, j'ai une chaîne, la grotte du barbu, machin truc. » Je lui ai filé des autocollants. Et il m'a posé la question. Il me dit « Est-ce que il y a des sous-titres sur tes vidéos ?» Et j'ai fait « Fuck ! J'y ai super pas pensé. Je suis nul. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai activé l'aide de la communauté pour les sous-titres. Il faut savoir que Google peut sous-titrer automatiquement. Mais les sous-titres sont un peu bof-bof. Et sur tous les épisodes classiques, en général, j'écris les voice-overs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai transféré tous mes voice-overs, enfin tous, j'en ai transféré combien ? Il y en a 91. Donc, j'ai transféré les 91 épisodes où les voice-overs étaient écrits, en format texte, j'ai mis ça dans un zip, j'ai mis sur le drive, et vous y avez accès puisque je vous ai mis un lien dans la description. Le principe est de vous montrer comment pouvoir contribuer pour pouvoir sous-titrer correctement les épisodes pour que les gens qui ont des problèmes d'audition puissent quand même profiter des épisodes classiques. Donc, c'est relativement simple, je vais aller choper une vidéo d'un épisode où je sais que je n'ai pas... fait les sous-titres. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là de la restauration d'outils de Broly. Alors, on le voit ici, s'il y a des sous-titres, il y a un espèce de petit logo, c'est marqué sous-titres. D'ailleurs, je devrais le faire dans un autre navigateur, puisque là, je suis connecté en tant que créateur. Donc là, je vais ici. Bien sûr, j'ai droit à une pub. Hein. Voilà. Et là, ensuite, je vais dans sous-titres. J'active les sous-titres. Je vais dans les paramètres. Et je fais sous-titres français générés automatiquement. Je fais ajouter des sous-titres. Je sélectionne une langue. Je vais sélectionner français. Et là, on voit qu'il y a des sous-titres qui sont générés automatiquement. Salut les barbus, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accord du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 301. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va restaurer des outils pour le cuir. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher le fichier de sous-titres. Parce que là, c'est l'épisode combien? Épisode 301. Et donc là, j'ai mon fichier de sous-titres. Et c'est relativement simple. Je vais prendre aujourd'hui on s'attelle un cheveu. Alors pareil, là on voit une première erreur. Aujourd'hui on s'attelle à un chouette projet puisque Fabrice qui était bourrelier, et là il le traduit marche, les quelques outils bien utiles pour le travail. Et en fait c'est ma refilée. Quelques outils. Voilà. Et donc là je vais faire juste un copier-coller. Appeler 2001, puis il l'a traduit par 2001 ou un couteau à pied. Il traînait plus ou moins au fond d'une boîte à outils. Donc la première étape est de nettoyer et d'enlever quelques décennies de crasse. Il a oublié le et de rebut de rouille. Paf, paf, nettoyer. Alors, bien sûr, mes super fichiers texte sont, je pense, bourrés de fautes d'orthographe. Donc, ne vous offensez pas. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie de contribuer, justement, à la création de ces sous-titres, pas les sous-titres automatiques, mais les sous-titres un tout petit peu vérifiés, je vous ai laissé... bien sûr, le lien vers le drive avec le zip où j'ai tous les fichiers texte
de certains épisodes, un petit peu plus de 90, ça aidera beaucoup ben, les gens justement qui ont du mal à entendre ou qui sont sourds à justement profiter, un petit peu comme nous, de tous les épisodes à droite à gauche. Et franchement, ben, ce côté communautaire, je trouve ça vachement bien. J'avais l'idée de faire un espèce de concours, celui qui sous-titrait le plus ou un truc comme ça, lui filer des machins. Non, bah juste vous balancez un commentaire en disant « You, c'est moi qui l'ai sous-titré » et bah, si vous avez envie, je vous enverrai des autocollants ou des badges ou des trucs ou des machins pour vous remercier de votre contribution. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie bah, de passer quelques minutes à aller choper un épisode qui n'a pas de sous-titres et essayer de corriger un peu les sous-titres automatiques de Google, qui en fait sont pas mal. Il y a quelques petites erreurs d'incompréhension, mais globalement, ça reste plus ou moins compréhensible. C'était une des discussions que j'avais justement avec le Gus. Je lui disais, moi je regarde plein de vidéos thaïlandaises et machin truc où je comprends rien, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir ce que le mec est en train de faire. Mais c'est vrai qu'avec les sous-titres, c'est quand même mieux. Mais dans très très bientôt, plein d'épisodes, des épisodes classiques, des épisodes de Barbu Nawak, des Barbie trucs, plein de choses qui arrivent. Vous inquiétez pas, j'ai été un peu busy ces dernières semaines. Pas mal de boulot bah, pour ramener un peu de pépette dans l'organisation et permettre bah, de vous proposer encore d'autres épisodes. À très bientôt et que la barbitude soit avec vous.